Notre première lecture sera tirée du livre de la Genèse, au chapitre 17 et au chapitre 18, versets 15 et verset 1. Genèse 17, 15, décidément. Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations, des rois seront issus d'elle. » Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde ?» Je continue par Genèse 18, verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» en se disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi, qui suis vieille ?» Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car il eut peur, mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Notre deuxième lecture maintenant, donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, versets 5 à 13. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Et troisième lecture, enfin, dans l'Épître aux Corinthiens, dans la première Épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 25. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver des croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.
dont nous prendrons le cantique au peuple fidèle, 101, cantique 101. Versets 1, 4, 5. Nous prierons avec Anselme de Cantorbéry. Admets-moi, Seigneur, dans le sanctuaire de ton amour. Je te prie, je te le demande, je frappe à la porte. Toi qui me fais demander, fais que je reçoive aussi. Toi qui me fais chercher, donne-moi de trouver. Toi qui m'apprends à frapper, ouvre à celui qui t'implore. À qui donnes-tu, sinon à celui qui demande? Qui trouvera, sinon celui qui cherche? À qui ouvres-tu, si lui reste clos à celui qui frappe? C'est de toi, Seigneur, que je tiens ce désir d'être, introduit dans le sanctuaire de ton amour. Et c'est par toi que ce désir doit être satisfait.
le rire de Sarah et celui d'Abraham nous poursuivent. Ils nous accompagnent d'inlassablement depuis des siècles. Ce rire est désir, il est promesse. Il est promis Sion, pour utiliser ce vieux mot de la langue française, repris par les poètes dont Louis Aragon, qui joint le désir à la promesse. Isaac signifie du reste « il rira ». Le Dieu de la Bible est celui du rire. Il est aussi celui du désir et du plaisir. On proposera donc un florilège de traductions de Genèse 18-12 que nous avons lu tout à l'heure. La version grecque de la Bible, ou Septante, préfère ne pas traduire. La version seconde nous propose un timide « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » La King James traduisait avec un certain réalisme « Shall I have pleasure, my Lord being old also ?» Si la Bible de Darby, plus explicite ici, mentionne le plaisir, la version seconde préfère, elle, parler de désir. Or, le plaisir n'est précisément pas le désir, il en est presque l'antonyme. Ou encore, comme le suggère magnifiquement André Chouraki, « Après m'être fané, aurais-je la volupté, et mon Adon est si vieux ?» En fait, Chouraki n'est pas très éloigné de la Vulgate, qui parlait, elle, de voluptas. Et la Tobe. Tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir ? On n'en admirera pas moins la litote port-royaliste de la Bible de le maître de Sacy. Sarah rit donc secrètement, disant en elle-même, « Après que je suis devenue vieille, que mon Seigneur est vieux, aussi penserai-je à user du mariage ?» La Bible originale ignore nos pudeurs, nos litotes, nos understatements, notre politiquement correct. Elle dit le désir, elle dit le plaisir, y compris le désir d'enfant, ce désir qui a l'immensité de la vie et ne s'arrête pas avec l'âge ni avec la vieillesse. Sarah avait passé l'âge de procréer, mais pas celui du désir. Frères et sœurs, après ce célèbre extrait de la Genèse, je voudrais vous parler des textes dont on parle peu, des textes dont on parle moins, des textes dont on ne parle plus, des textes que d'habitude, cette seconde nature, nous a conduits souvent indûment à rejeter dans l'ombre. Et au nombre de ceux-là, je voudrais vous parler de l'annonce faite à Zacharie, cette annonciation bien modeste au regard de l'autre, dont on peut suivre dans l'histoire chrétienne l'ascendance triomphale, l'annonce faite à Marie. L'annonce faite à Zacharie est à bien des égards l'annonce de l'annonce, en d'autres termes, une préfiguration. Une préfiguration au même titre que Jean le Baptiste est une préfiguration de Jésus Messie, de Jésus Christ, de Jésus Sauveur, dont on prend le plus grand soin de nous prévenir qu'il occupe une position seconde face à Jésus placé en pole position, comme le disent nos commentateurs sportifs. Je vous dirai sans plus tarder que l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste est un midrash chrétien construit sur les récits préalables de la naissance d'Isaac, Genèse 21, et surtout de Samuel, fils d'Anne et d'Elkana, 1 Samuel 20. C'est ici que se pose la question cruciale de la relation entre l'engendrement du récit et ses récits d'engendrement. La confession de foi de Westminster lors de la Révolution anglaise reprend parfaitement, avec une formulation typiquement calviniste et réformée, la question du Midrash. Voilà ce que nous dit cette confession. L'Écriture elle-même est la règle infaillible, je souligne le mot infaillible, de son interprétation. Donc la confession de Westminster en 1647. Avant de poursuivre, lorsque se pose une question au sujet du sens véritable et complet d'un texte, quelconque de l'Écriture, la réponse doit être cherchée et trouvée à l'aide d'autres textes plus clairs.
Dans sa version puritaine et presbytérienne, le protestantisme admet donc un principe d'infaillibilité, ce que l'on ne sait pas, mais ce que l'on sait, c'est que cette instance normative, ce ne sont ni le pape, on s'y attend, ni les évêques, ni quelques sacrés collèges, ni la tradition, comme le prétend le Concile de Trente au XVIe siècle, ni même l'Église ou les conciles, comme l'avait prétendu le Concile de Bâle un siècle plus tôt. Cette instance normative, c'est la Bible elle-même. C'est la Bible seule qui juge de la Bible. Cette mise en abîme des textes permet à l'infini de les interpréter l'un par l'autre, les uns par les autres, au nom du principe de l'analogie de la foi. Alors ainsi peut-être nos cousins d'outre-Manche redécouvraient à l'époque de Cromwell la lecture midrashique. Dès la Genèse, en effet, le récit biblique est hanté par la question de l'engendrement. Engendrement du peuple tout entier avec la promesse faite à Abraham, ou engendrement individuel de figures héroïques, Samuel, Samson, Jean-Baptiste, on peut y ajouter Jésus. À chaque fois, la naissance revêt un caractère en partie imprévisible ou énigmatique, qu'il s'agisse d'une femme trop avancée en âge pour pouvoir procréer, ou encore d'une vierge comme Marie. L'essentiel est de bien comprendre pour nous que la fécondité, comme la stérilité ou la virginité, ne relève pas ici de la gynécologie ou de quelque obstétrique, mais bien de la théologie même, même si Luc fut initialement un médecin grec. C'est dans la succession des récits, plus que dans l'anatomie, qu'il puise son inspiration. Les différentes annonciations sont en clair des midrashim, combinant plusieurs récits antérieurs dans un but d'édification. Dieu seul est le maître du sens, et non pas quelque écolâtre prépubère ou quelque séminariste boutonneux. Le couple abrahamique, Abraham et Sarah, répond à un appel. La vocation du couple est étroitement liée à leur changement de nom. Abraham devient Abraham, Sarah devient Sarah. Et l'apôtre Paul de commenter qu'Abraham devenait ainsi le père de tous les incirconcis qui croient. Romains 4, 11. En outre, le récit biblique nous offre une série de naissances fabuleuses. Je m'interrogerai plus avant sur ce terme. Ce sont, sans prétendre à l'exhaustivité et sans établir de hiérarchie, la naissance d'Ismaël, Genèse 16, la naissance d'Isaac, Genèse 21, celle de Samuel, fils d'Ad et Elkana, 1 Samuel 20, celle de Samson, fils de Manoac et de son épouse, Juges 13, 1, 25, celle de Jean-Baptiste, et enfin celle de Jésus. L'évangile de Luc nous rapporte l'annonce faite à Marie, mais l'on s'aperçoit qu'une annonce parallèle est faite à Joseph dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 1, 18, 21. L'annonce faite à Marie a largement supplanté l'annonce faite à Zacharie, tout comme l'annonce faite à Joseph. Cela est dû en Occident à des raisons esthétiques, du moins en partie. On a une prolifération des annonces faites à Marie dans la peinture, par exemple. Par contre, Joseph est visiblement le parent pauvre. Dans la culture catholique qui nous abreuve de ses représentations picturales, il ne fait l'objet d'un culte qu'à partir du XVIe siècle. Pauvre Joseph, qui doit se contenter d'un rôle subalterne de nourricier en compagnie d'une femme éternellement vierge. Pauvre Joseph, éternellement privé de dessert et condamné à une longue vie d'abstinence. Quelle divinité aveugle t'a-t-elle condamné à cette semi-cléricature, mon pauvre Joseph ? Fallait-il t'astreindre toi aussi au célibat ecclésiastique et à une bien hypothétique chasteté ? On mesure l'investissement spirituel dont a bénéficié au grand siècle la figure de Gendès, de Joseph, en regardant l'admirable Saint-Joseph charpentier de Georges de la Tour, à quelques pas d'ici, au Louvre. Une approche structurale noterait une certaine convergence formelle entre ces récits d'annonciation et quelques différences. On trouve des structures croisées, présence d'un annonciateur, qu'il s'agisse du grand prêtre Élie, 1 Samuel 1, 17, d'un ange non nommé, Luc 11, de l'ange Gabriel, Luc 1, 26. Ces annonciateurs ont différents interlocuteurs, Anne, épouse d'Elkana, 1 Samuel 1, 8, Zacharie et Marie chez Luc. L'on trouve également des prières d'action de grâce, cantique d'Anne, que nous avons
vu tout à l'heure, Benedictus ou Cantique de Zacharie, Luc 1, 68-79, le célèbre Magnificat ou Cantique de Marie, Luc 1, 46-55, ne faisant que couronner cet ensemble. Quoi de plus impératif ? Quoi de plus fou ? Quoi de plus insensé que le désir ? J'emprunterai au texte biblique la formule des annonciations pour vous proposer à mon tour un « Je te salue, Zacharie » retentissant. Claudel répète l'annonce faite à Marie à l'unisson d'une église catholique qui a fait de l'annonce évangélique l'une de ses prières de référence « Je te salue, Marie » et j'ajouterai mes avocé, si vous me le permettez, « Je te salue, Zacharie » « Je te salue, Sarah », « Je te salue, Anne » et finalement « Je vous salue bien tous » car la bonne nouvelle, la nouvelle du salut s'annonce bien à tous et non simplement à ces vierges pures, à ces vierges chastes, salut demeure chaste et pure comme aurait dit Gounod, dans lesquelles je vois pour ma part une forme transitoire, une forme inaccomplie de la féminité. Je ne vois pas en quoi les vestales seraient supérieures aux bonnes grosses mères de famille. Reste la question essentielle. Comment qualifier cette intervention de Dieu dans l'histoire intime, celle du corps des femmes, dans l'histoire collective ? Tous les personnages cités participent à un degré ou à un autre à la grande histoire de la transmission et du salut. Le premier effet que provoque cette intervention de Dieu est l'émerveillement, pour reprendre la formule du Cantique de Marie, « Le Seigneur a fait pour moi des merveilles ». Les autres termes qui s'offrent à nous pour désigner cette invention surnaturelle sont évidemment « miracle » ou « phénomène fabuleux ». Ils méritent tous deux d'être précisés. Le miracle, c'est une évidence en ses murs, n'est pas ce qui heurte le sens commun. Le miracle relève toujours d'une sémiotique, il est signe. Signe d'entre les signes, si l'on veut. Mais si l'on cantonne le récit biblique dans la fable, le résultat n'est guère satisfaisant. Peut-on situer le texte biblique au même niveau que les récits mythologiques ? C'est à dessein que j'ai employé le terme de midrash, plus approprié à mon sens que celui de mythologie, pour décrire la congruence des textes. Il existe cependant au sein du catholicisme en particulier, mais non pas exclusivement, une indéniable mythologie chrétienne, au sens où l'on parle de mythologie gréco-latine. Les auteurs de la Renaissance, en particulier Guillaume Budet, suivi en cela par les peintres et les sculpteurs, ne manquent pas de souligner les ressemblances entre Jésus-Christ et Hercule. Incontestablement, il y a une part de mythologisation dans la tradition humaniste, et l'on sait que la théologie libérale a pu parler à ce titre de démythologisation. Mais cette entreprise critique doit elle-même faire l'objet d'une critique sérieuse. Après tout, ni Samson ni Jésus ne fonctionnent jusqu'au bout comme des Hercules. Ils assument une dimension eschatologique que l'on chercherait en vain dans les fables de l'Antiquité païenne. La réforme protestante, précisément, cela est vrai de Luther comme de Calvin, refuse cette continuité entre la sagesse antique et la folie de la croix, le texte que nous avons lu de l'Épître aux Corinthiens, le montre une fois de plus. Nous avons donc deux grandes façons de lire nos Bibles, soit de manière linéaire, en allant de l'avant vers l'après et de la Genèse vers l'Apocalypse, soit nous couvrons à traversant chaque texte, chaque verset, chaque péricope étant susceptible de convoquer un autre passage. C'est par excellence la lecture liturgique, c'est aussi la lecture inspirée de nos passeurs et de nos pasteurs, lorsqu'il ne renonce pas au souffle prophétique. Que nous enseigne ce détour par Zacharie ? Tout d'abord qu'il faut se méfier de la hiérarchisation des textes qui conduit à penser que si tous les textes se valent, certains sont plus égaux que les autres, comme l'aurait dit George Orwell. Il n'y a pas de petits textes, comme il n'y a pas non plus, contrairement à une formule reçue, de petits prophètes. La même chose est vraie des personnages secondaires. Ils accomplissent tous une des fonctions essentielles dans la narration et la tendance qu'a eue l'Église dans sa longue histoire à hypertrophier certains personnages et à encastrer d'autres
ainsi de Marie et Joseph, n'aboutit le plus souvent qu'à des formes d'idolâtrie. Sainte Marie, priez pour nous. Il faut rendre à Joseph et à Marie et au fils de Marie toute leur humanité. On en reviendra pour finir à une interrogation qui a été au cœur même de la réforme protestante. Comment la Bible, ce livre plein de vie et de verdeur, ce livre plein de santé, ce livre qui associe en permanence l'amour et l'humour, a-t-il pu accoucher de cette triste fadeur moralisatrice et pudibonde ? Peut-on pardonner au christianisme sulpicien ? Au terme de quel travestissement est-on parvenu à cette religion de cafards, comme auraient dit les Huguenots des temps héroïques ? Pourquoi cette survalorisation de la chasteté et de la virginité, en particulier féminine ou cléricale ? Pauvre Saint Joseph du catholicisme sulpicien, coincé entre le bœuf et l'âne, pauvre prêtre désiré de transmettre le message du Christ et qui sont renvoyés en permanence à l'expérience de leur propre finitude et de leur inachèvement. Oui, décidément, la réforme a encore des choses à nous dire, en ouvrant toute grande avec Luther les portes du royaume.